out here. Drop shop. Yeah! Elle est super belle. On continue, j'ai pas vu sur le premier pont. Drop shot. Donc, elle donne un coup. Pow! Ferry. Là voilà. La belle la chienne. Et que c'est le pomme qu'on vient de la chienne. C'est tellement beau là. Let's go, on lâche pas. Bébé, il a tiré encore du montage drop shot. On va le remettre à l'eau. Salut! C'est parti, j'ai perdu mon plomb. On va rajouter un plomb. In audio. Salut la gang. Donc pour la conclusion, comme vous avez pu voir, j'ai capturé juste deux achillants. Décidé d'aller là pour une deuxième fois. La première fois, je voyais beaucoup de poissons sur mon sonar, puis j'avais pas réussi à les capturer. Donc là, pour la deuxième fois, j'essaie d'y aller. J'arrive au pont, comme vous avez vu avec les piliers, je casse mon montage drop shot. Et puis là, taf, ça donne un coup, donne un autre coup. Je réussis à sortir deux achillants. Ça a été les deux seuls poissons que j'ai sortis de la journée. Sur le montage, encore une fois, drop shot, un super de beau montage qu'on peut utiliser à l'achigant comme au doré. Comment que ça fonctionne, le montage drop shot, c'est que là, j'ai pas l'exemplaire, c'est ma canne à pêche, je viens de l'enlever. Mais c'est un plomb qu'on met en bas de notre fil, puis à 10 pouces, environ 8 à 10 pouces, on met un hameçon. Puis là, on peut mettre un Senko, on peut mettre un petit swim bait. On peut mettre un tube dessus, puis là on fait juste l'agiter dans l'eau, ou si vous avez beaucoup de courant, on peut juste le laisser là, puis là le leurre va faire son action. Donc c'est avec ça que j'ai pêché sur le bord des piliers du pont.
J'ai aussi essayé au muskie. Je suis pas très très équipé pour le muskie, mais je me suis dit, je vais mettre un spinnerbait ou un gros swimbait, puis aussi topwater. Ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai pas capturé beaucoup de poissons, mais j'étais content parce que j'étais sous l'eau enfin. Je suis très occupé avec la job la semaine. J'arrive la fin de semaine. Je suis très brûlé. Je me lève très de bonne heure la semaine. Donc, j'ai besoin de dormir un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai moins de contenu. Puis, je vais moins en pêche un peu. Mais sinon, c'est ça. J'étais heureux. Il ventait pas. Il faisait beau. Il faisait pas froid. C'était calme sous l'eau. Sur ça, vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, je réponds à tous les commentaires, que ce soit sur ma page Facebook de I Simon Fishing, sur mon Instagram I Simon Fishing, ou même sur mon profil normal là, de Simon Poirier Tremblay, je réponds aussi, puis je réponds aussi dans les commentaires de YouTube. Donc, laissez un commentaire, vous abonnez à ma chaîne, puis laissez un petit j'aime, ça m'encourage énormément à faire des vidéos, surtout qu'à vous laisser des j'aime sur les vidéos, ça me prouve que vous l'avez aimé. Donc, sur ça, je vous dis à la prochaine vidéo. Faites attention sur l'eau, il commence à faire froid, ce qui veut dire l'eau va commencer à se refroidir. Donc, on fait attention, on met notre gilet parce qu'on peut chavirer. Puis là, l'hypothermie peut arriver. Au moins, vous avez votre gilet, ça peut vous sauver un peu. Donc, sur ça, à la prochaine. Capturez du poisson. Puis, salut!